moi encore. Oh, ça y est, patron, vous êtes calmé? À ton avis, hein? Ne dites rien, j'ai deviné. Vous voulez être calife à la place du calife? Ouais, mais ça me rend complètement fou. Oh non, 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 ne dites pas fou. Ah bon? Et pourquoi pas fou? Bah voilà, les califes du royaume n'ont pas tous eu un règne heureux et long. Isman el-Safa, premier d'une longue lignée, perdit la raison. Il se prit pour une hirondelle. Son gazouillis, remarqué, n'était pas désagréable, mais vint l'époque de la migration et quitta son peuple pour toujours. Mais c'est passionnant, ces histoires de fous. Attendez, hein? C'est pas fini. Assim el Pouf devint dingue lui aussi. Il se prenait pour une carpe, ce qui lui valut le surnom de Taciturne. Et il n'était heureux que dans la vase, où il vécut très vieux. C'est pourquoi le conseil des sages décida un jour que tout calife fou serait destitué. Destitué, formidable. Je suis ravi que ça vous plaise. Destituer le calife? Ah, mais c'est pas idiot, ça. Le problème, c'est qu'Haroun el Poussa, il est peut-être stupide, mais il n'est pas fou. Oh, c'est là, il est pas fou du tout. Il a toute sa tête. Et pourtant, il a oublié que ce soir, vous devez organiser une petite fête en son honneur. Zut, à la fête, j'y pense. Ça va bien, pas trop. Eh oui, eh bien, on va faire des courses. Mais bien sûr, noble vizir, j'ai tout ce qu'il vous faut pour organiser votre petite soirée. Fais voir. C'est parti. Pour commencer, le chapeau de fête, la langue de belle-mère. Les fameux serpentins rigolants, le nez de clown, rire assuré, la rampe à niveau, attention aux inondations, l'extraordinaire chapeau qui rend fou. Le chapeau qui rend quoi? La bataille. Le cidre explosif, personne ne lui résiste. Stop! Le chapeau, repassez-moi le chapeau. Le chapeau qui rend fou? Oui, comment ça marche? Eh bien, on le met et on devient subitement fou, c'est tout. Rire assuré pour votre petite soirée. Dilat, tu te rends compte? Calife à la place du calife grâce au chapeau. Essaye. Oh, patron, je ne crois pas, c'est ma hiverne. Pardon? À mon avis, ce marchand travaille du chapeau. Donnez-moi ça. Oh, un très bel article. Sûr de faire rire vos invités. Alors comme ça, tu n'y crois pas? Des tapis volants, des génies, je veux bien. Mais des chapeaux qui rendent fou, alors là, on me le fait pas, moi. Alors tu n'as pas peur de l'essayer, n'est-ce pas? Ah, je veux bien, si ça vous amuse. Qu'est-ce qui lui prend? Alors là, voyez-vous, il est fou, il se prend pour quelque chose. Mais allez savoir quoi? Extraordinaire, j'achète. Faites-moi livrer ce chapeau au palais cet après-midi. Bien, grand vizir. Ça y est, il est cuit, il est cuit, c'est dans la poche. Et qui va être le nouveau calife? Ouais. Oh, splendeur céleste, lumière des siècles, peau pourrie des vertus. Quoi? Votre grandeur, me ferez-vous l'honneur d'assister à ma petite fête? Je ne sais pas, je me sens un peu flappy aujourd'hui. Je me permets d'insister, grand calife. Venez, vous ne le regretterez pas, je vous le garantis. Vraiment? Mais oui, ça va être rigolo. Rigolo? Vous vous amuserez comme un petit fou. Bon, alors d'accord. Parfait. Ce qui est dit est dit. Alors à ce soir. Ça y est, calife à la place du calife. Le grand vizir Isnogout, je vous prie. Au premier à gauche, frappez avant d'entrer. Merci. Entrez. Oh zut. C'est lourd ce truc. Tiens, j'ai une idée. Eh ben alors, j'ai dit entrez. Alors entrez. La question vous attendez. Mais, oh, c'est vos chapeaux. Tiens, on sonne.
Ça marche. Il se prend pour une cloche et moi je vais être calife à la place du calife. Laisse ça ici. Ça va marcher. Soyez le bienvenu, lumière des siècles. Merci, mon bon Isnogood. Mais à propos, peux-tu me dire ce que fait Dylan Clarat dans le coin? Oh, il boude, il boude. Je sais pas pourquoi, mais il boude. Il se prend pour... Enfin, je sais pas pourquoi. Mais passons plutôt à table. C'était délicieux, Isnogood. Merci pour ce bon repas. Mais maintenant, je vais aller... Ah non, mais attendez, ce n'est pas terminé. Il y a le divertissement. Vous allez rire comme un petit fou. Un divertissement? Que tout le monde mette son petit chapeau rigolo et que la fête commence. Ils sont drôles, tes chapeaux, mon beau Isnogood. Ben, mettez le vôtre si vous voulez aussi être dans le coup. D'accord. Ça y est, il va le mettre. Je sens qu'il va le mettre. Il veut le... Mais mon chapeau. Je remercie l'aimable spectateur qui a bien voulu me confier son chapeau. Quelle bonne idée, Isnogood. J'adore les tours de magie. Cher public, vous pouvez constater que ce chapeau est complètement vide. Mais tabarou, tabara, tabari... Oh, attention, mesdames et messieurs. Que va-t-il se passer? Hop, un lapin. Bah alors, mais qu'est-ce qu'il prend? Merveilleux, merveilleux, c'est la première fois que j'entends chanter un lapin. Merci, merci. Mon chapeau, reviens ici, au pied. Mais tu vas taire, oui. Et tu me passes ton chapeau, là, parce qu'il m'en manquait pour mon numéro, merci. Le chapeau, mais le chapeau. Un jongleur. Oh, j'adore les jongleurs. Et hop là. Des petits pois. Qu'est-ce qu'il lui prend? Je n'en sais rien. Garde, sortez-le! Sur un texte mis en musique par moi-même, voici la complainte du pauvre orphelin. Il était une fois un tout petit enfant. N'avait pas de papa, n'avait pas de maman. Il était toujours tout nu, il avait très froid, il était malade. Oh, que c'est touchant, j'en pleure. Tu es grand calife, maintenant vous pouvez mettre votre... Émouvant, émouvant, n'est-ce pas? Mais que j'ai... Oh, je suis tous ému. Mais que j'ai... Mais non, mais je... Oh, merci. Merci, mes bons seigneurs. Ça y est. Grand calife, vous pouvez enfin... Non, mais restez! Non, on va rire, on va rigoler! Vous n'avez même pas... Vous n'avez même pas mis votre chapeau! Oh non, tu es gentil, mon bon Isnogood, mais j'ai sommeil maintenant. Très bien, ta soirée. Ah, oh, vraiment, que ferais-je sans toi? Raté, c'est raté! C'est encore une fois raté! J'en ai marre, je ne veux plus voir ce chapeau de malheur. Chapeau qui rend fou, tu parles. C'est quand même bizarre, cette position. Qu'est-ce que ça peut bien être? Non, c'est pas un porte-manteau. Oh, c'est pas une table de nuit non plus. C'est pas un décapsuleur. Entrez. C'est vous qui avez jeté ce chapeau? Oui, pourquoi? Ça vous dérange, peut-être? Parfaitement. Ça me dérange. Maintenant, mon chapeau, il se prend pour une citerne et il n'arrête pas de faire le plein. Et si ça continue, il va me ruiner. Et alors quoi? Alors quoi? Un chameau pas sabre, ça sert plus à rien. Vous savez ce que vous pouvez en faire de votre chapeau? Oui, je sais. Eh ben, tant mieux. Quoi? Ça. Laissez-moi. Vous m'avez demandé
Oui, je voudrais un livre, prenez-le là dans ma bibliothèque. Oh, grand calife, quelle magnifique bibliothèque! N'est-ce pas? Ce doit être un cadeau d'Isnogood, très ressemblant, non? Qu'en dis-tu? En effet, on dirait des vrais. Oh, mon bon Isnogood, je me demande ce que je ferais sans lui.